démons et pas les anges. Suivez-nous, venez visiter notre magnifique cité. Voici Halloween, voici Halloween. Les citrouilles vont mourir de trouille. C'est ça Halloween, tout le monde a mauvaise mine. C'est normal, c'est pour qui on vise les citrouilles. Je me cache sous votre lit le soir, mettant mes yeux brillent dans le noir. Moi, je me cache sous votre escalier, doigts de serpent et cheveux d'araignée. C'est ça Halloween, c'est ça Halloween, 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 Halloween. C'est la ville de la nuit, les citrouilles chantent et les chauves-souris. On plaisante, on fait des bêtises, on ne sait pas quelle sera la prochaine surprise. Gélatine. Quelle horreur! C'est un enfer! Par le feu, par la glace, il faut jouer à pile ou face et s'envoler à tombeau ouvert. C'est la ville du crime! C'est la ville du crime! Je perds la tête, quelquefois je l'arrache! Avant de disparaître dans un flash! Je suis le mort qui prend longtemps. Je suis le vent qui vous glace le sang. Moi, je me glisse comme une ombre noire et je transforme vos rêves en cauchemars. C'est ça Halloween, c'est ça Halloween, 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 Halloween. Il y a des enfants beaucoup trop sages, on préfère ceux qui ont la rage. On fait peur, mais on se domine dans la ville d'Halloween. On plaisante, on fait des bêtises, tout le monde attend la prochaine surprise. C'est Jack le Skullman, sans tambour ni trompette. Sur Gigard, votre dos, vous ne ferez pas de liaison. C'est ça Halloween, c'est la ville du crime. Bienvenue à l'épouvantable épouvantail. Bravo Jack, t'es la grappe, notre nouveau roi. Jack la garde, il est le roi des citrouilles. C'est ça Halloween, c'est ça Halloween, 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 Halloween. C'est la ville de la nuit. Les citrouilles chantent et les chauves-souris. Je trouve génial, mes mauvais tours les émerveillent. Tous les ans, c'est le triomphe et la gloire. Je leur fais des surprises quand la lune s'éveille et ils crient avant de m'apercevoir. Sans le moindre effort, je m'amuse à jouer aux fantômes et presque aussitôt, c'est la panique. Un seul geste banal, si l'on sait faire boue, fait fuir sur le champ l'armée la plus stoïque. Mais jour après jour, c'est la même déprime. Je n'éprouve plus rien en commettant mes crimes. Et moi, Jack, l'épouvantail, j'avoue me lasser de la même bataille. Dans mon vieux corps, il règne aujourd'hui une bien étrange mélancolie. Pour moi, la vie n'est qu'un long sanglot. Mon cœur éclate, la mort est mon Je suis l'esprit du mal, le génie infernal. Les revenants ne vont pas en revenir. Je suis marié à la peur, l'horreur et la terreur. J'ai coupé un peu. Bonsoir les gens. Et comme je suis mort,
bonsoir pour ce live pré-Halloween. Salut la crime Halloween. Ah. Eh oui, la crime Halloween. Bonsoir vie. Bonsoir les gens du chat. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que on n'a pas discuté post-Halloween? Oui, voilà, merci. Est-ce que vous avez passé un bon Halloween? Avez-vous passé un bon Halloween pré-Noël? Ah putain, oui. Mais en plus, on est totalement dans le thème parce qu'on est, vous savez, dans cet entre-deux Halloween, Noël. Du coup, c'est parfait. Puisque... Eh bien, c'est à la fois un film d'Halloween et un film de Noël. J'adore. J'adore l'étrange Noël de Monsieur Jack. Bon. Je vais vous remettre... Hello, Empire Halloween que je peux pas... Empire Halloween que je peux pas discuter sur ce chat. Ah ouais? Hésite pas à m'envoyer un message en privé, Nal, alors. Si t'as envie d'en parler. Mais... Nous, qu'est-ce qu'on a fait pour Halloween? Nous, on a fait une raclette. Voilà. Si vous l'avez vu sur Twitter, on a fait une... Ah, mais j'ai même pas mis la photo en plus sur Discord. Très triste. Nous, on a fait la raclette. Ensuite, nous sommes allés à la foire. Et on s'est bien amusé à la foire. Mais voilà. Du coup, non, pas d'événement spécial pour Halloween pour moi. Promis, la prochaine fois, il y en aura. Déjà, vous savez quoi? Déjà, il faut que j'essaye de faire en sorte que Lucie, donc Luciferia, il faut que je la fasse se déplacer au château. Parce qu'une fois qu'elle sera au château, il y aura le stream pâtisserie goth. On fera tout un live où on fera de la pâtisserie en gothique. Pas de goth top. Non, pas de goth top. Non. Petite nuisette aujourd'hui. Désolé. Putain, ça me trigger à chaque fois que tu dis Lucie. Ah, mais je suis désolé. Alors, ne t'inquiète pas, ça me trigger aussi, parce que Lucie, c'est une ex aussi, donc... ça me trigger aussi. Voilà. Sache-le. Bon. Sinon. Il fallait que je fasse un truc avec vous. C'était faire un petit compte rendu des redeems qu'on a faites, vous savez, du live marathon anniversaire. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Bonjour, ça rame sur mon PC, j'espère que rien va crash. Ah! C'est chiant! C'est chiant ça. Du coup, ce qu'on n'a pas fait, la FAQ, on l'a pas faite. Attendez. Ça. Halloween. Voilà. Si je fais ça. Ouais, voilà. Alors. Alors, ça, on l'a fait. Voilà. La FAQ, on n'a toujours pas fait la FAQ. Voilà. Retourner sur un jeu, on l'a fait. Le let's play sur Elden Ring, on l'a fait. Le live IRL où je vous montre la collection de jeux vidéo, on l'a fait. Le teasing, je vous l'avais fait pendant le live. Pareil pour le giveaway. Et ensuite ça, vous l'aviez pas débloqué. Donc, parce que le 31, il n'y a personne, par contre, le 2 novembre, mais deux youtubeurs vont à la Halloween. Oui, bah, et nous aussi, on a une vie, la plonge. Merci beaucoup. Et coucou Yami. Et coucou la plonge. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La FAQ.
La FAQ, vous savez quoi? On la fera quand on aura les 300. On est à 297 followers. C'est bientôt. Donc bientôt, on la fera. Ring Fit. Putain, Ring Fit. Parce que va falloir les tanker, les raclettes. Donc va falloir qu'on fasse Ring Fit, parce que faut tanker les raclettes. Le lave pâtisserie IRL. Je fais venir... comment s'appelle, Lucie. Ça sera tellement parfaite. Voilà, comme ça vous aurez deux magnifiques gottes à faire de la pâtisserie. Faut que je trouve un moyen de faire venir Lucie. J'aimerais bien essayer de la faire venir avant la fin de l'année. Potentiellement avant la fin de l'année. Comme ça on essaye de faire, vous savez, des pâtisseries de... Comment ça s'appelle? Des pâtisseries de Noël. Mais vraiment avec le côté, en mettant par exemple du coulis de framboise pour du faux sang, ce genre de choses. Mais avec des petits cerfs ou des petits bonhommes en plein épi. Je dis que ça peut être extrêmement drôle. Le live Resident Evil en VR. Va falloir qu'on le fasse. Va falloir qu'on le fasse, mais je me... J'ai toujours pas regardé comment on branche le casque en VR pour streamer de la VR. Et surtout, si je dois streamer de la VR, il me faut quelqu'un avec moi. Parce que je crois pas que j'aurai la possibilité de vous lire le chat. Go sport, la crime, go sport dans ta plus belle robe gothique. Alors non, je serai quand même en tenue de sport, faut pas exagérer non plus. Hein. Je sais pas, Vi, si t'as déjà essayé de faire du sport en robe, c'est pas pratique. Pareil pour en corset, c'est pas pratique. Voilà. Le live des Saraxa, il faut qu'on le fasse. Le live des Saraxa. Il faut qu'on le fasse. Mais Raxa est beaucoup occupé. Donc voilà. Tu streams ta vue pour la VR. Oui, mais moi, il faut que je puisse pouvoir vous lire. J'aime comment Alice a juste raturé les derniers lieux pour économiser. Non, c'est moi qui viens de les raturer là un instant. Regarde. Regarde. Voilà. J'ai fait de la merde encore. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Ouais, j'ai essayé, j'ai craqué la robe. Bah voilà. C'est de la merde, faut pas faire ça. Jugans of 9, il a eu beaucoup de mal à accéder au chat. Ouais, il faut que je regarde. Mais il y a les gribouilles qui faisaient un moment des live VR et qui arrivent à lire le chat. Faut que je regarde comment est-ce qu'ils font. J'écris la mini fanfiction. Ça, il faut. Mais ça, je vais m'en occuper cette semaine. Demain, je vais faire un post sur Twitter et demander quels sont les VTubeurs ou VTubeuses qui souhaitent participer et ensuite vous voterez parmi ceux qui souhaitent participer. D'accord, ouais. Le live quiz jeux vidéo avec d'autres VTubeurs, ce sera l'année prochaine. Et le RPG sous RPG Maker, ce sera aussi l'année prochaine. On essaiera de ça. Merde, j'avais débloqué le karaoké. Ah putain, faudra faire un karaoké. J'essaierai de faire le karaoké. Et vous savez quoi, on fera un karaoké de Noël. Voilà. La semaine de Noël, on fera un karaoké, les gens. Voilà. Donc celui-là, ça sera la fin de l'année. Voilà, voilà. Je pense que je vais devoir voter pour la Crima X Littori si c'est possible. Ah, je sais pas. Est-ce que je me mettrai... Non, parce que le principe, c'est d'écrire avec deux autres VTubers. Entre deux VTubers de votre... Il y aura pas forcément moi. Oh, ça peut être rigolo. Je sais pas, on verra. Voilà, voilà. Ah bah oui, en Shy Girl, mais oui. Tellement. Allez, vous savez quoi? On va y aller, tout simplement. Tout simplement, on va y aller. Du coup... Est-ce que je réponds à ton annonce demain? Ah bah tu pourras répondre, Vi, hein. Ça serait un peu rigolo. Mais déjà, j'ai un truc à faire avec vous, les modératrices. Faire une immense toile où il y a toutes les femmes importantes de ce stream. Où on met les... Où on met... Alors, toutes les femmes importantes où je mets que les modératrices. Ah, je pensais mettre que les modératrices. Genre, toi... Raxa, Nal,
suis en train de réfléchir. Il y a pas d'autres modératrices? Non, il y a pas d'autres modératrices. Voulez-vous continuer sans sauvegarder? Hein? Pas de données sauvegardées. Libre. Non. Ah bah oui, vas-y. Et il faut que je fasse ce gros dessin, il faut que je le commande à... Je pense que ça sera pour Noël. On va essayer de faire un truc pour Noël. Was a long time ago. On va essayer. Qu'est-ce que vous voulez? Bah tiens, les filles, puisque vous êtes là. Puisque, en plus, vous êtes en majorité. Vi et Nal. Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez qu'on essaye de faire ça, cette grande fresque qui n'est absolument pas NSFW, attention, voilà. Pour le NSFW, je vous redemanderai à chaque fois. Mais en mode normal ou en mode Noël? Bah, je peux prendre l'avatar de ta loutre, hein, si tu veux, hein. Nal. Après, je peux aussi te montrer comment faire un avatar, c'est pas très compliqué. Welcome to Halloween! Vous entendez bien le jeu et ma voix? Y a pas de soucis? Si ma voix est trop forte, je peux le... Je peux me baisser mon son, si vous voulez. We should all be inspired to do something different. We need new scares, new ideas, new discoveries. Avec la voleuse d'âme, docteur. Amazing. Les deux. Non, la loot, je la garde pour le stream de Picou et mes games avec la team loot. Ok. Ouais, je te montrerai comment on fait. En vrai, t'as juste à télécharger le logiciel Veroid sur. Sur comment ça s'appelle? Sur Steam. Et c'est très facile à prendre. Ah, je préférais le son de la PS1. Hein. Le son de la PS1, je préfère aussi le son de la PS1. Sally! Par contre, c'est très moche. Il y a un genre de filtre un peu dégueulasse sur le. Sur l'écran, c'est hyper pixelisé. Attendez, je vais voir si je peux pas corriger ça. Parce que tant qu'à faire. Tant qu'à faire, je peux peut-être corriger ça. Ratio. Non, on est toujours au même ratio. Y a un filtre un peu dégueulasse, ça pixelise à donf. Je suis en train de regarder si je peux pas corriger ça. Contrôleur, paramètres d'émulation, ça doit être... Ouh, c'est peut-être pas... C'est peut-être là. Ah, Oogie Boogie. Attends, est-ce qu'ils sont vraiment en train de me spoil le jeu, là? Attendez, quoi? Pas trop connu, le son de la PS1, désolé, du coup, je peux pas... Si, si, le son de la PS1, il est emblématique. Est-ce qu'ils sont juste en train de me spoil les boss, là? J'aime bien ces jeux qui te spoilent l'intégralité du jeu. Attendez, parce que j'ai l'impression qu'il est en train de me spoiler. The Nightmare Before Christmas. Oogie's Revenge. Oogie's Revenge. Sachez que c'est un jeu qui est chiant à trouver. C'est un jeu qui coûte cher. C'est pour ça que nous sommes sur l'émulateur aujourd'hui. Halloween Town. Voilà, sachez-le les gens. Bon. Alors, maintenant je vais pouvoir continuer à chercher. Attends, il est en train de me refaire le speech de tout à l'heure. Ah! Attendez. Shader configuration. Peut-être ça là? Pardon. Interlacing, auto. Non, auto c'est bien. Ça c'est bien. Est-ce que c'est mieux? Ça a l'air d'être un peu plus dégueulasse, non? Oula. J'ai touché quoi? Non, parler du plugin. On va enlever ça.
Voilà. C'est pas grave, on va le garder en mode un peu dégueulasse, c'est pas grave. Mais c'est totalement la cinématique d'intro. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me branler? What are you branling, le jeu? J'adore ce film. Je vous ai déjà dit que j'adorais ce film. Le pire, c'est que j'ai une peluche en plus, Jack. This year's Halloween was the most horrible yet. Thank you, everyone. Et du coup, ça se passe après le film. Something's missing. There's got to be a way to make Halloween more hideous, more terrifying, more frightening. En mettant des serial killers qui se transforment en... et qui tue les enfants le soir d'Halloween. Oui, oui, il y a moyen. Essaye de creuser cette idée, Jack. Pour rendre Halloween terrifiant, mais des serial killers. A fresh, new and improved Halloween, Doctor. After last year, we can't just do the same old thing. We should all be inspired to do something different. We need new scares, new ideas, new discoveries. Il a un cerveau qui était rigolo. I think I have just the kind of thing you're talking about. I call it the soul. La voleuse d'âme. C'est du slime. C'est le slime de Ghostbuster. C'est bouffe tout. Oh, ça vibre. J'ai ma manette qui vibre. Je vous rassure, ce n'est que ma manette. Exactly, doctor, exactly. That settles it. Ouais, enfin, I'll head out in search of more new discoveries for next year's Halloween. Oh, doctor, please watch after things while I'm away. Qu'est-ce qu'il veut branler? What are you branling? La main fouette Slim. Ah non, mais du coup, Jack, maintenant, il peut fouetter le cul des enfants à distance. Ça sert bien évidemment qu'à ça. Jack's leaving town. Now we can bring back Oogie. Yeah, how hard can it be? Ah oui, eux c'est les casse-couilles. Je me souviens. C'est les casse-couilles. Le 23 décembre. Ah. La veille de Noël. On fait un jeu d'Halloween le jour de Noël. Let's go. Donc, en théorie, j'aurais pu le garder pour Noël, ce jeu. I hope this finds you, Jack, wherever you are. Elle a un boulet à la place de... Ah, je me souviens plus. Elle a un boulet pour que quand elle se déplace, ça fasse... Hurry, Jack! Hurry up. Donc voyons voir ce jeu. Jack Back, le retour de Jack. Est-ce qu'on a un petit jeu sympathique ou on a un jeu claqué au sol? En théorie, il est bien noté, donc ça devrait pas être claqué au sol, je pense. That's strange. The town's deserted. Je me suis absenté combien de mois, combien de jours, 3 jours, 8 jours, 30 ans. Oh! I don't believe we've met. I'm Jack. Jack Skellington. C'est un ennemi. Well, you're not from Halloween Town, are you? Oh putain! Mais il a fouetté le cul des gens, mais c'est trop bien! En fait, c'est ce qui se passe une fois que je suis devenu seigneur d'Elden. Oh, je peux fouetter vraiment le cul! Oh! Ça, c'est la grabe. Et ça, c'est des petits coups. Mais c'est trop bien!
art. It's our time. It's Oh mais c'est... Attendez! C'est un beat'em all à la God of War! Bon, moins dynamique que God of War. Hein. On va pas se le cacher, c'est moins dynamique que God of War, mais... Ils ont vraiment fait un beat'em all God... un beat'em all avec Jack. Oui, ça marche, monsieur le maire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, j'ai un fouet bleu maintenant. Ah ouais, d'accord, il a plus de portée. De quoi? Attends. Ah mais c'est Oogie Boogie, c'est pas... C'est pas le maire, merde. Ok. Touche select. Touche select, ça fait quoi? C'est, alors, pas Tom Selleck, hein. Tout. Index. Seigneur des mouches et autres insectes ont essayé d'éliminer le père de Noël et Jack par le passé. Aujourd'hui, il revient finir le travail. Il est assisté par le trio redoutable que forment Amstram et Gram. Ok. Ok. On me couvre de choses. Alors, attendez. Allez, qu'on change de sens, d'accord. Oh tiens, la petite tartine. Nam. Voilà. Vous savez, c'est comme dans les animés. Je déclare cette ville qui s'appelle Oville. Waouh. Allez. Là, on va s'en sortir. On va s'en sortir. C'est le début, les amis sont pas chiants. Ok, donc là je suppose que ça doit être le hub principal. What happened while I was gone? Someone's inside. Someone inside! Oh oui, très la... Attendez, même. Mon pain est mal placé. Voilà. C'est mieux. J'ai pas vu ce qu'il fallait faire. Il y a un monsieur. Bonjour. D'accord. Ok. Bonjour, monsieur. I'm not making any more traps. D'accord. Oh, Jack, it's you. It's you. What exactly happened while I was gone? Lock, Shock and Barrel sewed Oogie back together again. Ok, bon. Bugs, bags and all. Joliment abscissé et tout. Oh mon dieu. Et putain, ils ont fini les poupées russes. Dr. Finkelstein proposed a plan for the next Halloween. He said you wanted a dangerous Halloween. So we organized one to make you happy. He said if we didn't, you might never come. Oui, d'accord, ok. Un peu, tu n'en reviendras jamais. Do you think using ghosts and skeletons to hurt people is my idea of a good Halloween? Bah, c'est le principe d'Halloween, non? Il est con, lui. Just wanted you to come back. We set a on met des pièges partout, mais ensuite des hordes. C'est quand même le principe d'Halloween de faire peur aux gens, donc oui, envoie des squelettes et des esprits tourmenter les gens. Mais il doit être dans son labo, je pense. Jack, I want to help too. Let me record your story, so it's not... Ah, c'est les points de sauvegarde, lui, d'accord. Don't forget. Save it now, or risk doing it again. Dois-je sauvegarder? Oui, bah oui, sauvegarde. Joyeuse tartine d'Halloween. Oui, c'est une joyeuse tartine d'Halloween. Oui. Merde. Oui, sauvegarde. Voilà. Oui. Sauvegarder. Oui. Merci. C'est chiant quand on a la manette à l'envers. Ok.
Il y a quoi en haut? Attendez, il y a un truc en haut. Ah oui, on en est vraiment à ce niveau-là. D'accord. Putain, mais il y a du platforming. Fais gaffe, ça va bientôt couler si tu la tiens comme ça pendant des heures. Non, c'est bon, t'inquiète. Je fouette le cul des squelettes. Attendez. En vrai, c'est un... Ok. C'est un peu rigolo, mais c'est un peu dur. Enfin, c'est un peu dur. Non. C'est un peu dur quand tu as... quelqu'un qui t'a mis le truc à l'envers. Voilà. Il va y avoir du miel. Non, c'est de la compote de pommes. Bon, pour le moment, c'est pas très intéressant, les combats. Hein, on va pas se mentir. C'est de la compote de pommes, les gens. Souvenez-vous, c'est parce que Raxa mange des tartines de compote de pommes. Vous savez, elle est un peu bizarre, mais elle est artiste, c'est... Vous savez, c'est déjà un peu bizarre les artistes. Hein. C'est... Faut pas faire attention. C'est... À ce qui paraît, même, de temps en temps, ils égorgent des vierges et boivent leur sang. Hein. Attendez, ils sont bizarres, les artistes. Ils font des choses pas nettes. Hein. D'accord, c'était juste pour ça que je suis rentré dedans. Ah, d'accord. Ok, c'était juste pour ça. Colise, le fouet voleur d'âme qui vole rien du tout vu qu'il fouette les morts. Joli concept. Coucou et Colise. Coucou, coucou, mais c'est la première fois que je te vois, toi, je crois. Non? Il y a marqué que tu me follow? Oh, mais bienvenue à toi. Est-ce que c'est la première fois que je te vois? Et oui, le voleur d'âme qui vole rien du tout, mais... C'est pas grave, c'est un détail, ça. C'est une ombre, Billy Bob. Mon Dieu! C'est l'odeur qui se dégage de mes restes de repas. L'âme m'a ramené. Ah, je vois. C'est la plonge. C'est la plonge qui est un salaud. Qu'est-ce que c'est? C'est une comédie musicale? C'est vraiment une comédie musicale! Je dois récupérer des notes de musique pendant qu'il fait sa comédie musicale? Je comprends pas! C'est trop bien! Attendez, j'adore le principe! Alors, je pense qu'il faut que je ré... Attendez. On va charger le coup. Aïe! J'aime bien la musique. Quoi? Quoi? Attendez, quoi? J'ai rien compris! Ah non! Non, j'ai la manette à l'envers, c'est de la triche! Oh.
Vie, je te déteste parce que j'ai la musique. J'ai la manette à l'envers. Mais ça a l'air trop bien. Mais sinon, oui, bienvenue, Echo. Alors, attends. Ok, j'ai un peu de mal. J'ai la manette à l'envers. C'est bon, je suis morte, j'ai le droit de revenir. Je pense que j'ai un peu parlé de l'écho, la cri. Ah, c'est ta meilleure amie, c'est ça? Continue, bah oui. D'accord. Et bah bien. Mais c'est de mieux en mieux ce jeu. Mais oui! C'est un jeu tiré de L'étrange homme de Monsieur Jack, qui est, je crois, une exclue PS2. Et en vrai, il a l'air trop bien. Mais il a vraiment l'air trop bien. Un ancien puits, d'accord. Il y a un beat'em all et en même temps, vous êtes au courant, les gens, que j'ai pas de sens du rythme? La plonge. Mais hésite pas à rejoindre le Discord, Echo. Ah, mais attends, mais je crois que t'as rejoint le Discord, justement, non? T'avais pas rejoint le Discord, Echo? Par le plus grand des hasards. Je crois. Non. Mais j'y suis pas, je crois. Ah, en fait, c'est pour... alors, tu es peut-être sur le Discord. Mais en fait, pour pouvoir accéder à tout, il faut écrire un message à un endroit particulier. Donc, c'est peut-être ça que tu n'as pas fait. C'est comme ça que je sais si vous êtes des bots ou pas. Après, si vous êtes déjà passé sur le stream... J'aime bien. Ah, voilà. Mais coucou Brinouas, au fait, comment vas-tu? Bon, alors, du coup, il faut que j'arrive à lui faire baisser sa vie. Et pour cela... Oh, il y a des combos! Comment on fait? J'ai pas compris comment on fait, mais... Ok. J'ai pas le sens du rythme, les gens! Wow! Oh, ça a l'air trop bien! Il est trop bien, ce jeu! C'est un beat'em all ou pour lancer ton ulti, c'est une comédie musicale! Non mais c'est trop bien, attendez! On est sur le premier boss du jeu, pour moi. Il chante en plus. en vrai, attendez, c'est trop une bonne idée. Hein. Merde. Je trouve que c'est super original. Et coucou Raxa, désolé, j'ai du mal à lire le chat. On esquive. Boogeyman. Bon allez, là je pense qu'on va plus bientôt l'avoir. Ah,
En fait, je pense que les notes de musique, c'est ça, les âmes. Le principe de, du volage d'âme. Est-ce que c'est ça? Ouais. Allez. Oh! Merde. Parfait! Muted, vous faites chier. De toute façon, j'ai pas besoin d'un vote pour être con, j'y arrive tout seul. Mais coucou Wenuvas. Broadway, c'est R à côté. Tu es si nul. Je suis nul au jeu de rythme. Mais je suis nul dans les jeux de rythme. Oui, mais j'ai... Il faut que j'aille chercher le... Ah, faut que j'aille chercher le putain de... Je l'ai mis où? Là, il est là. Oh! Attendez. Ah! Je vous entends encore, mais je vois plus le jeu! C'est celui-là? C'est celui-là. Oh! Il neige! C'est l'esprit de Noël, les gens! Ah non, pas du tout. That's the Halloween holiday door. Now what in the world is that doing here? Je sais pas, tu te démerdes, tu te fous dans le cul, l'esprit d'Halloween. Bon. Objet. La porte des fêtes qui, à son arbre, doit être amenée. D'accord, ok. Super. Fiole de cristal. Ça sert à quoi? D'accord. Ok. Ok, je sais pas. Ça va être génial. Alors... Clear time. Combo. Clear time F. Ah bon? Exclamation marks count. Eh ben, on a été particulièrement mauvais. C'est pas grave. Excellent. Allez. Parce que la plonge l'a voulu. Soul bonus. Bonjour, en tout cas. Le soir est arrivé, on est... Oh, on est... Hein? C'est ça la galère, ils seront les derniers. Ok. Ça fait son 6 ans. Je dirais, ouais, bon con. Vous en faites 6 ans, hein. Moi, ouais, 2 sont avec moi. Alors qu'on fait un super jeu en plus. Ah, c'est bien. D'accord, fou. Ok. C'est à cause de la plonge, ça! Mais c'est toujours à cause de la plonge! R, R. Ouais! Ouais, R. Jacques, en faisant la plonge, j'ai convoqué les fondus sur les LR, quoi, c'est vrai, hein, j'ai un homme plus bon que ça, je ne serai pas laissé. Ok. Et sinon. Oh! J'adore rire. Merci beaucoup pour le sub. Oh. Merci beaucoup à tous pour le quiz. Oh, merci, merci. Et merci pour avoir donné son argent. Je m'en fous, ça. Maison de Jacques. Je m'en fous, la maison de Jacques. Ok.
C'est pas con, ou pas? Ouais. Ça va. Et comment c'est? Mais qu'on le rattrape! Ah, comme ça. C'est comme ça. Voilà. Voilà, bon, alors, du coup, j'avoue que le baillon pour expliquer un peu ce qui se passe à Echo, c'est pas trop ouf. Âme bleue, c'est quoi? J'ai utilisé une âme bleue, je sais pas ce que ça fait. Super, j'ai utilisé un truc, je sais pas ce que ça fait. En fait, ils m'ont juste mis un baillon, mais c'est que temporaire, voilà. Ah merde, je t'ai pas tiré la carte, pardon. Tu as gagné un cache-cache avec Philippe. Voilà. Félicitations. Des points pour baillonner dans les deux réalités pour 5 minutes. Exactement. Jack, welcome back. C'est exactement ça en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as attrapé froid là? En tout cas, repose-toi bien avec un. Avec un très bon chocolat chaud. Est-ce que je dois boire de l'eau? Oui. Ah, merci beaucoup! Merci beaucoup la planche pour les 5 bits! Ça fait quand même 10 couilles et c'est pas mal. Et tu as gagné une récompense! Ou alors c'est un clodo! D'ailleurs, attends, vie. Je viens de penser. Tu avais le droit à des récompenses, toi aussi. Deux récompenses gratuites. Attends, elles sont où? Vie. T'as le droit à deux redeems à moins de 2000 gratos. Tu m'as pas dit ce que tu voulais, vie. Elle vient de me faucher chaque année. Ah ouais, bah, pourtant on est au tout début de l'hiver. T'as vraiment pas de chance, alors. Hein. Je suis faible, mais non. Mais non, tu n'es pas faible. On a juste pas la même constitution. Tout le monde n'a juste pas la même constitution. Bon, pour le moment, les combos sont pas très compliqués. J'espère que très rapidement, je pourrai débloquer des nouveaux combos, parce que... Pour le moment, les combos sont pas ouf. Voilà. Jack, you've returned. Les sorcières.
The whole town is booby-trapped? Booby-trap. le terme booby-trap qui vient quand même à la base de... C'est booty-trap en plus, je crois. Qui vient à la base des soldats américains. C'est un terme de l'armée. Merde, je crois que j'ai appuyé sur start en vrai. Je suis nul. Elles font quoi, elles? Te donneront. Les globules blancs aussi font des comédies musicales en se faisant fouetter par la maladie. C'est délicat. Ah, mais tu. J'allais sortir une vieille ref, mais je sais même pas si tu l'auras. C'est Nicolas Sarkozy est beaucoup trop puissant pour tes gendarmes globules blancs. Jack. 3000 pour améliorer la voleuse d'âme. Oh. 3000. On va économiser pour améliorer le stuff. Est-ce que si je vous dis quand même les virus Nicolas Sarkozy, vous voyez ce que vous voyez la référence ou pas du tout? Faut avoir. Oh, qu'est-ce qu'il est, lui? Fame Timmy! J'ai pas la ref, mais c'est drôle quand même. J'ai pas la ref, mais je suis belge, je suis excusé. Alors, tu es peut-être excusé, la plonge, mais c'est dans... Il était une fois la vie. La représentation des virus dans Il était une fois la vie avait la tête de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas pourquoi, mais sachez-le. C'est fermé. Mais putain, mais je dois aller où? Je vais attendre que tout soit en ordre. En haut, j'y étais déjà allé. Ah, sérieux? Oui, oui! Tape virus. Virus. Il était une fois à la vie, tu verras. Je ne sais pas où il est passé. C'est le clown? Ah, mais j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Oh, mais la révélation! Mais oui! Virus Nicolas Sarkozy! Ils sont arrivés, ils ont tout cassé! Là, voilà! Le virus, il est rentré dans ton corps, il a fait. Vous en avez marre, toute cette racaille là? Toute cette racaille saine, hein? Bah, moi, je vais vous la dégager! Voilà, donc les gens, si vous n'avez jamais fait attention, Attends, comment on fait? Voilà. Voilà, maintenant, mais je suis très contente que maintenant vous ayez la référence des Nicolas Sarkozy en virus. J'y arrive pas. Ah oui, d'accord, en fait faut charger le coup. Bien sûr, les verres jaunes et oranges. Ah mais je suis en train de me faire... Je me fais bolosser. Bon alors, au niveau du gameplay, pour le moment, c'est vraiment du matraquage de touche. Hein. On est quand même vachement loin d'un Devil May Cry ou un truc comme ça. Le vert bleu, je me rappelle... Quoi? Le vert bleu, le vert... Les yeux jaunes et orange avec la calvitie, là. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous racontez? C'est même plus ce que vous racontez. Ah mais moi, de toute façon, tant que vous donnez de l'argent, je vous aime, hein. Les gens. Souvenez-vous de ça. Il faut donner de l'argent. Tant que vous ne donnez, si vous ne donnez pas d'argent, je ne vous parle même pas dans le chat. Voilà, sachez-le. C'est pour ça que regardez, Wenuvas, à peine il est arrivé, il est parti parce que il s'est rendu compte que je ne lui parlais pas parce qu'il n'était même pas abonné à cette chaîne. Donc,
C'est tellement méchant. Je sais qu'il y a des gens qui font ça. Je trouve ça tellement dégueulasse. Surtout quand t'as juste une petite communauté. Genre, à quel moment tu renvoies chier les gens juste parce qu'ils parlent pas... juste parce qu'ils lui donnent pas d'argent et tout. Je trouve ça dégueulasse. J'ai pas suivi du tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit quoi ? No need to panic. Attendez, il faut que je regarde ce qu'ils me disent. Je serai donc pas adopté. Si, parce que tu as maintenant un abonnement. Donc quelqu'un a donné de l'argent pour toi, donc j'accepte de te tolérer. D'accord, mais il a plus la clé. Oui, mais... L'aurais-je mangé? Et putain, mais espèce de débile si tu l'as mangé. J'ouvrirai la porte des... Ok, il faut peut-être remonter. Ouais, c'est ça. T'inquiète. Attends. T'inquiète, je te disais combien j'ai donné depuis février, tu serais encore plus folle que d'habitude. Ouais, mais... T'as pas donné assez, la plonge. Voilà. Sachez-le. Donnez plus, encore plus. Oh, il y a un truc là-bas. Tout. Je peux pas y aller encore. C'est fermé, oui, d'accord. Du coup, est-ce qu'il a ouvert la grande porte, le débilous clown, là? Oui, il est pas dit... Ah putain, d'accord. Soul Robber. Alors, par contre, c'est très chiant quand les trucs sont en hauteur, parce que du coup, ça me le... Si, c'est bon. Oui. Je veux qu'il soit établi que je serai son Jean-Claude préféré. Non, mon Jean-Claude préféré, c'est Jean-Claude Van Damme. Et ça, vous pouvez pas tester. Ça part sur des privés jeux que je comprends pas. Non, mais... Alors, pour moi, But not before some of Oogie's baddies grabbed Sally and carried her off toward the cemetery. I've heard the cemetery is pretty dangerous these days. I hope she's okay. Ils ont pris Sally. Je vais aller leur péter la gueule. No more, Mr. Nice Bones. Parce que juste à présent, il était gentil. Il a cassé la gueule à plein de squelettes, mais il était gentil. Les filles, sa mort, c'est bien connu. Oh, t'as pas idée. T'as pas idée comment je mords. C'est pour ça. Combo. Damage. Exclamation marks, DDAAF. Bah c'est parfait ça. Total de 0. Ok, je sais pas ce que c'est ces points d'exclamation. 300. Ok. Il me faut 3000 pour améliorer l'arme. Tu peux gagner en ayant uniquement DB ou mieux. D'accord. Il y a quand même un système de scoring hein. L'arbre pendu. Ah, mais c'est bien ça. C'est bien. C'est des gens qui ont perdu au, vous savez, au jeu du pendu. Ils connaissent pas la technique d'utiliser les voyelles d'abord. Et oui. Tu utilises les voyelles et ensuite t'as le mot. Je suis trop forte au pendu. Oh, c'est le petit chien. Il s'appelle Zéro. Putain, je sais pas, dans ma tête il s'appelait Philo. Nous, il s'appelle Zéro. C'est Zéro le chien. Un peu comme sa présence dans la... Un peu comme sa vie. Zéro. Ah, je vais me faire toucher. J'aime pas ça. Par contre, c'est chiant que je ramasse pas les... Oh, toi, t'es en train de me saouler, toi. Voilà. 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 Comme ça, on touche tout le monde. Voilà. Et je suis en train de me prendre des dégâts de fou là. Quoi, il n'y a plus de jauge de modératrice? Bah, je commence à prendre beaucoup de modératrice. Ma modératrice est en train de partir là, actuellement. Euh...
Et oui, il y a beaucoup de jeux de mots. Nous sommes des experts et expertes en jeux de mots ici. Ne t'inquiète pas. Si tu aimes l'humour, sache que tu trouveras un tout petit peu d'humour ici. C'est pas mal. What? C'est rigolo quand t'enchaînes les... Comment ça s'appelle les... Ah. Faut que j'arrête de faire l'idiote, moi. Vandamme ne donne pas de l'argent. Non, mais il m'a donné des super films. Ça, vous pouvez pas critiquer. Jean-Claude Vandamme, il m'a donné des super films. Et surtout, je vous rappelle qu'il nous a donné Street Fighter, le film. Et ça... Et rien que ça, c'est trop bien. Waf waf. C'est quoi ça? Je peux... Ben oui, mais prends-le. Il y a un... Je crois qu'il y a un problème de perception. Mais prends-le. Non? Ben, prends. Ok, je crois... Je pense qu'il y a un petit problème de perception. Perception des distances? Non? Il manque un œil, c'est ça? C'est... Ok, elle est pas là. Jack wake up and choose violence. Mais oui. Il faut toujours choisir la violence. Regardez. Regardez, c'est ce qu'a fait Jack. Il s'est réveillé, il est arrivé dans la ville, il a choisi directement la violence, il s'est mis à casser la gueule des gens. Mais c'est ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pierre tombée, elle est tombée. Ben merci, connard! Sans déconner! Je m'en serais pas douté que la pierre tombée allait tomber! Vraiment! On aurait dit le gosse! Non, sans rire! Tu me l'avais pas dit! Il y avait vraiment cette image du gosse en mode. Non, sans rire! C'est quoi ça? C'est mon total point de vue? Ok. Ok, non, alors c'est peut-être pas ça. Non. Faut que je monte aux bonnes extrémités, c'est ça? Voilà. Soul Robber! Soul Robber! Je vais me faire time-up pour cette vanne, Jean-Claude de la vanne. Oh non, ça va. Elle est rigolote. Jean-Claude de la vanne est autorisé. Ok. Ah, mais c'est pas un ennemi, lui? Ah ben non, c'est pas un ami, c'est un gentil, lui. You come back. Oui, I'm come back. Salut, arbre pendu. C'est extrêmement précis, mais le problème, c'est qu'il est tout petit pour être un arbre pendu. À moins que Jack soit très grand. Je crois qu'il est grand, en plus, Jack. Les pendus se cachent dans le cimetière. Alors, me dis pas qu'il faut vraiment que je traque les pendus. You haven't seen Sally, have you? Ah si, je l'ai vu. Mais je vais te dire que si tu me ramènes mes quatre pendus, enculé. C'est exactement ça, en plus. Ben non, justement, il y est pas. Mais justement, il y est pas dans sa tombe. Zéro a fui. Mais... Et putain de... Le mur, elle peut être détruit ou ça se passe comment, en fait? Non, même pas. Mais sinon, on peut m'expliquer comment est-ce qu'un chien qui est mort a pu sortir de sa tombe? Concrètement! C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? Hein? Ok. Je sais pas, je peux... Ah, je peux pas l'avoir à l'infini. Bill. Ah, belle balle. Mais du coup, ça servait à quoi, ce que je viens de faire? Ah! C'est pour un nouvel ennemi. Oh putain!
Oh! Oula, mais attendez, ils vont me casser la gueule, les ennemis, là! Ils sont en train de me casser la gueule! Mais ils sont totalement en train de me casser la gueule! Ok. Ok, ok. Tu es belle même dans les pays pauvres. Allez. Parti pisser. Ah. Traquer les pendus, on se croirait au Japon. Ouh. Ouh. Alors, vous voyez que je change de tenue. Attendez, on va prendre une tenue plus adéquate pour un beat'em all. Voilà. Voilà. Nous allons prendre... Nous allons prendre l'armure des chevaliers et boire un coup. Pas de combo. Bah alors le problème c'est que je fais déjà pas de combo donc bon. Voilà. C'est donc je veux bien pas de combo mais j'ai déjà je fais déjà pas de combo donc. Sinon. Ah, source de l'eau. Putain, mais oui, c'est vrai que j'ai de l'eau. Yami m'en veut, elle préférait l'ancienne tenue. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Mais putain. Par contre, c'est très bizarre d'avoir mis la comment ça s'appelle la comment ça s'appelle juste la musique classique du thème de la ville d'Halloween juste pour les combats en fait. Mais bon, chapeau à l'artiste pour la tenue. Ah mais elle est cool cette tenue. Cette tenue, elle est vraiment très cool. Hein. Moi, je l'aime bien. On l'avait mise pour Elden Ring. Hein, souvenez-vous-en. Voilà. Donc... Mais comment ça, il est pas très SFW. Je vois pas où est le problème. Vraiment. Ton manque de foi me consterne, la plonge. Bonjour. Sinon, tu. When Oogie's monsters approach, I have to run away. Sometimes you may not be able to find me, but I'll always be back. Oui, d'accord, ok. Don't forget. Sauvegarder. Save it now. Oui, on va sauvegarder. Oui, sauvegarde. De toute façon, Twitter est bientôt mort. Ouais, tout le monde dit ça, mais non. En fait, ça changera rien, tout le monde va utiliser... C'est comme là, les gens qui gueulent pour, en mode... oui, mais regardez, la certification va devenir payante. Mais nique ta mère, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en fout. Genre... La certif de Twitter, c'est juste utilisé par des gens qui ont genre 1 million, 2 millions d'abonnés, ce genre de choses. Les gens qui ont pas ça, enfin la certif, elle est full OSEF. Hein. Donc je sais pas du tout ce qu'ils sont censés. Hein. Ici je suis censé voir un truc mais je sais pas quoi. Attends mon je suis une artiste de 20 ans, mon Twitter est déjà pas très SFW, mais tout est SFW, vous inquiétez pas les gens. Il n'y a aucun souci. J'avoue, je me suis jamais aventuré dessus, vaut mieux. Mais non, mais il faut toujours s'aventurer, ne vous inquiétez pas. Aventurez-vous dans les recoins de Twitter. Dans les recoins drama queen de Twitter. De toute façon, en vrai, les gens. Soul
Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de what I'm brawling? En fait, c'est super dur pour essayer de se repérer, dis donc, ici. Voilà. Donc, ici. Ensuite, on monte. Ensuite, en face pour récupérer la pièce. Ensuite, ben le jeu il me bloque parce que c'est de la merde. Je crois que c'est un artiste pas du tout connu ici. Ah, ben voilà. Et puis c'est quoi, c'est la stade Raxa est magnifique. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. L'insta de Raxa est magnifique, mais en même temps, Raxa est magnifique, hein, donc. Ah non. Faut que j'aille où là? Faut que j'aille là, parce que je peux pas aller en face, donc. Ici. Là-bas. Rappelez-moi pourquoi est-ce que je fais tout ça déjà? Ok! Rappelez-moi pourquoi je suis monté toute seule là? Pourquoi je suis monté tout en haut là? Pourquoi je suis monté là? Quel était le but? Quel était le but? Ok. Eh ben, je pouvais monter. Ah, mon Twitter n'est rempli que d'amour, hein. D'amour et de sexe, hein. Voilà. Sachez-le, mon Twitter n'est rempli que d'amour et de sexe, hein. Donc, voilà. Vous ne risquez rien. Après, oui, Twitter, c'est de la haine pure. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ok, on passe le combat. D'amour et d'eau sexe. Oui, d'amour et d'eau sexe que me prodigue la nature. C'est exactement ça l'expression. C'est... Voilà. Est-ce que lui, je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux lui fouetter la nuque? Ah non, ok. Ah, il est... Non, ça va. ça va. Mais on connaît ses Bayonetta, c'est une gameplay. Oui. Non mais t'as raison, même gameplay. Hein. C'est totalement Bayonetta. Il y a un gameplay d'esquive, regardez. Même gameplay que Bayonetta. Bon, par contre, j'aimerais un peu plus de coups. Parce que, au moins, ce qui est cool dans Bayonetta, c'est que t'as plein de coups. Là, j'ai pas ce plein de coups, en fait. J'ai ça, ça, et ça. Aïe, j'ai pas plein de coups, j'ai juste 3 coups. Même pas, j'ai vraiment pas de... J'ai vraiment rien comme coup.
Par contre, c'est vraiment un peu la pauvreté à un niveau beat'em all. Hein. C'est... Aïe. C'est un peu la tristesse. Fais un Bayonetta 2 n'est rien sans Bayonetta. Bah oui. En même temps, c'est logique. Ah, c'est quoi? Tu gagnes une figurine de troll squelette. D'accord, super. Ah bah ça m'en touche une sans me déplacer l'autre, tiens. Juste un 2, ça se vendrait très mal dans les pubs. Il y a des jeux qui font ça, il n'y a jamais eu de 1 ou de... Pourquoi Jack il part au début de base? Je t'en pose des questions. Est-ce que je t'en pose des questions? Non, pourquoi est-ce qu'il part au début? Je sais pas. Si, il part parcourir le monde pour trouver des nouvelles idées pour Halloween, je crois que c'est ça. Mais j'ai pas compris. Mais j'ai peut-être pas compris. Hein. Putain, tu l'attrapes! Merci. Voilà. Mais j'ai peut-être rien compris. Ce qui est fort possible. Après avoir eu le droit au slime. Oui, mais c'est ça! Pour créer Noël dans les films? Non, parce que Noël. Comment ça s'appelle? Noël existe déjà. Hein. Enfin, le film est déjà passé. Hein. C'est la suite du film. Hein. C'est la suite du film, les gens, donc. Donc, je sais pas. C'est, il veut créer Halloween 2, on va dire. Est-ce que je peux... Non, je peux pas aller par là. YOLO! Donc là, on va retourner au Fort Fido. Et ce serait de... avec des fantômes qui offrent des cœurs au chocolat et des démons qui jouent de la lyre. Ah! Mais ça existe déjà, ça s'appelle l'enfer! Ça s'appelle l'enfer, mais juste avec des personnes cool! Ça serait la Saint-Halloween. Où est-ce qu'il est passé? Mais j'en sais rien où il est passé, ton putain de canasson! C'est même pas de canasson, c'est un cas. Attendez, non, je m'en fous de... Je m'en fous. Oui, mais je m'en fous, en fait. Arrête de les taper. Tiens. Personne n'a rien compris, je crois. Oui, je crois que c'est ça. C'est exactement ça, bravo. Bravo, Echo. Tu as compris que personne n'avait compris. Mais attendez, mais je suis bloqué. Mais déjà, pourquoi il y a... Attendez. Déjà, il y a un truc qui me trigger, moi. C'est ce logo pour te dire que tu peux appuyer sur un truc, mais il n'y a rien. Le jeu est bugué? Est-ce que le jeu est bugué? Répondez pas dans le chat. Quelqu'un a abîmé le vieil arbre. D'accord. Mais ça, vraiment, ça m'en touche une sans me déplacer l'autre, hein, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Pareil, ces tombes sont ouvertes. Il doit y avoir un truc à faire avec. La pierre tombale est tombée. Oui, merci Captain Obvious. Attendez. Est-ce que je peux monter plus haut? Ça ne sert à rien de monter en plus. Voilà. On monte. On arrive ici. Super. Et là, qu'est-ce que je fais? Rien. Mais en vrai, je regardais pas de streamer Twitch tout court. Oui, bah beaucoup de personnes n'en regardaient pas de Twitch. Hein. Je comprends rien. Attendez, s'il faut, c'est super logique. L'étrange Noël de Monsieur Jag.
La revanche d'Oogie Solus. Cheat code. Ah, il y a les cheat codes, les gens. C'est très bien. Tous les niveaux. Hein, on pourra faire tous les niveaux, si vous voulez. Non, mais... All cutscene, non. All boss, non. C'est trop difficile d'avoir genre un let's play. Attendez, YouTube. En 30 minutes, t'es allé où, toi? Putain, vas-y, t'as un jeu vachement plus beau que le nôtre. D'accord. Hein? Porte des fêtes, ouais. D'accord, ouais. Ouais. Grande fontaine, ouais, ouais. Ah oui, mais le mec, il avait déjà terminé sur... Attendez, quoi? Le mec, il avait déjà terminé le jeu, là. Parce qu'il est pas du tout allé là où on voulait. Là où nous, nous sommes allés. D'accord, j'aime bien parce que le mec, il a fait qu'une seule partie, en fait. Non, il en a fait 36. Non, il en a fait plusieurs, attendez. Musique du thème d'Halloween, ouais, ok. Donc là, il affronte les squelettes de ses morts, là. Non, il fuit. Je comprends rien. Attendez. Qu'est-ce qui... What are you browning? Là, il parle à l'arbre. Ouais. Mais attendez, il me manque complètement des trucs. Parce que qu'est-ce qu'il fait? J'essaie de comprendre. Hein. Ça me fait rire parce que en vrai, le mec a l'air d'être tout aussi paumé que moi. Ouais. Je suis en train de regarder le let's play, le mec a l'air d'être tout aussi paumé que moi. Et là, il est passé où? Il est retourné au tout début. Ok. Il est retourné au tout début et il y a une cinématique avec Armstrong Graham qui s'est déclenchée. Alors, attendez. C'est pas clair, hein. C'est plat. Au final, ça fait des dégâts, ça, ou pas? D'accord. D'accord, donc ça faisait bien des dégâts. D'accord, ok. C'est pour ça que j'ai claqué 80 balles pour recevoir une housse de coussin avec la poêle dessus. Je suis pas toute nue, c'est faux. Si tu regardes bien, je suis pas toute nue. C'est faux. Mensonge! Voilà. Oh, j'y arrive. Attendez, je suis en train de faire un combat de ouf. Attendez, je suis presque en train de faire un combat cool. Non, en fait, c'est faux, c'est de la merde. Mais croyez-moi. Je peux pas... Ah, mais tu peux... Et de toute façon, j'ai mes vêtements, hein. Je suis juste seins nus, c'est tout, les gens. Voilà, hein. C'est juste ça qu'il y a sur le Daki. Il y a moi, normal, enfin, moi, entièrement habillé, et moi, seins nus, et c'est tout, hein. Ou ça, seins nus. Sur le Daki. Sur le Daki Makura. Ah, mais là-bas, il y a une porte. Là-bas, il y a une porte. Je suis pas allé là-bas.
Non, j'ai remarqué que j'ai toujours pas été livré. T'as le numéro suivi, la pompe? Histoire de quand même. C'est le pouvoir du lore que j'écoute pas tout le temps. Ah ouais, le célébrissime grand pouvoir du lurking. Mais d'ailleurs, j'ai refait quelques petites photos là que je mettrai sur Twitter. Et d'ailleurs, oui, autre chose. Question importante que j'ai pas que j'ai demandé sur Twitter, mais du coup vous, je vais vraiment essayer de faire quelque chose avec le fansly, histoire que ça devienne réel. Mais du coup je ne sais pas quoi faire avec le fansly. Elle est fermée. Oui, d'accord, super. J'ai pas parlé à l'arbre. Je sais pas quoi faire, parce que moi ça me dérange de mettre du contenu exclusif dessus. Donc est-ce que vous avez des idées de qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur le fansly ou pas? Oui, je suis come back. Il y a une semaine c'était livraison d'un haut ou deux jours, maintenant la page elle répond plus. Ah ouais, alors par contre ça c'est relou quoi. Ça c'est relou. J'espère que tu vas le recevoir. En vrai la plonge, putain, je croise les doigts. Je croise les doigts pour que tu le reçois. Parce que si tu me dis que t'as des problèmes de livraison, toi... ça me ferait beaucoup chier que tu le reçoives. De toute façon, c'est comme moi. Je vais pas vous mentir, il y a un truc à payer vie sur. Ah oui, d'ailleurs, le throne. Le throne, je vais le fermer. Hein. Je vous le dis tout de suite. Le throne gif, ça sert plus à rien. N'allez pas dessus, n'achetez rien dessus. Je vais le fermer. Parce que j'en ai ras le cul, en fait, de throne. Ils sont pas sérieux du tout. Ils préviennent pas quand les objets sont en rupture de stock et ils vous débitent quand même. Et c'est moi qui dois ensuite aller vérifier que non, l'objet était plus disponible et qui doit ensuite faire les démarches pour vous rembourser. Voilà. Pareil quand... Comment s'appelle? Pareil, j'ai aucun mail pour me dire on a commandé l'objet, du coup vous allez le recevoir à peu près vers telle date et tout. J'ai aucun mail. Résultat, je sais jamais quand est-ce que je serai livré si je suis livré. J'ai aucun numéro de suivi. Je suis en fait constamment dans le noir complet. Et ça me saoule beaucoup. Vous méritez de crever. How is your trip, Jack? Are you having fun, Jack? You three wouldn't have anything to do with Oogie's return, would you? Who? Us? It's not too late. Return this town to order immediately. Why would we do that? The fun has just begun. Les sales gosses de merde. We're on a secret mission to stop you. Don't tell anyone though. Il est con, lui. Lui, il est con. D'accord, ok. Now you'll have to play with me. Ok. Deposit to local post operator le 19. Je vais pas te mentir, je me souviens plus. Hein. Je sais que ça avait pris beaucoup de temps, mais je me souviens plus. Ok, je peux pas le taper. Ok.
en vrai, c'est les musiques du... C'est les musiques de... J'allais dire l'animé. C'est les musiques du, ouais, du dessin animé, en fait, donc... Sauf qu'il les réutilise un peu en... Un peu comme il... Mr. Oogie Boogie. Par contre, j'aimerais bien des nouvelles techniques, hein, s'il vous plaît, parce que les combats, pour le moment, c'est pas non plus les trucs les plus passionnants du monde. Hein. C'est... Étant donné que je passe juste mon temps à appuyer sur la touche carré en boucle, parce que j'ai pas d'autres combos à faire. À part ça, mais... Mais non, il est pas has-been. Ah bah voilà, tiens, casse-toi bien la... casse-toi la gueule. Non mais il faut que je le ferme en fait, juste le 30 gif. Mais en vrai, ça me saoule un peu que il soit pas méga sérieux, donc... Donc ouais, du coup, vous aurez plus la possibilité de m'offrir des cadeaux, je suis désolé. Voilà. Je suis désolé les gens. Après, si vous voulez m'offrir des cadeaux, on essayera de voir comment est-ce qu'on peut faire. Mais voilà. Mais en vrai, en ce moment, j'ai plein de problèmes avec la poste, hein, je vais pas vous mentir. C'est une horreur, la poste, hein. On va pas... Je vais pas vous mentir, voilà. Ah, ça fiche pas sur mobile. Ah bon ? Y a les notifs, ça fiche pas sur votre téléphone mobile ? Ah bon ? Bah, en même temps, les musiques sont bien. Bah, c'est les musiques de l'anime, du dessin animé, en fait. Donc c'est normal que ça que soit bien. Mais en vrai, le jeu est pas mauvais, hein. C'est pas un mauvais jeu, hein. C'est un jeu correct, hein. Je vais aller oublier mon existence dans mon lit. Pas de soucis, Echo, mais repose-toi bien. Repose-toi bien, Echo, hein. Merci beaucoup à toi d'être passé, hein. Est-ce qu'il est de nouveau là, le chien? Ah bah, il est là, maintenant, il est là, le chien. Je suis pas sûr d'avoir vu le film, je t'avoue. Ah ouais? Je te le conseille, Nala. Très très bon film. Hein. Que tout le monde pense qu'il a été fait par... comment il s'appelle? Par Tim Burton, alors que c'est faux, il a juste fait le scénario. Il a fait le scénario et il a indiqué un peu la direction artistique. Et fait la direction artistique. Mais c'est pas Tim Burton, le réalisateur. De l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ce qui est... pourtant un peu rigolo étant donné que là sur le jeu, sur la jaquette du jeu, il y a marqué Tim Burton. Voilà. Je confonds parfois avec les Noces Funèbres. Les Noces Funèbres réalisées par Tim Burton. Mais en même temps, les deux jeux ont la même patte, ont la même esthétique. Hein, donc, c'est normal que tu confondes les deux en vrai. Ok, le feu, ça brûle. On peut partir sur l'arrivée de zéro. Bah... Oh, c'est bien, ça. Les Noces Funèbres, un de mes films préférés. C'est un film que j'aime énormément, Les Noces Funèbres. Mais après, Après, ça se voit à mon design, hein. Bonjour, ça se voit au fait que je sois gothique. J'aime beaucoup Tim Burton. J'aime énormément Tim Burton et je crois que je me suis encore paumé. Ah, mais il y a une toile d'araignée! Ah,
mais en fait, faudra peut-être revenir ici avec un genre de pouvoir de feu. Je viens juste de tilter. Oui, il y a les VOD, hein, Echo, t'inquiète pas. Hein. Ne t'inquiète pas, il y a les VOD pendant 30 jours sur, sur Twitch. Et j'essaie d'en reposter quelques-unes sur sur YouTube quand j'y pense. Quand j'y pense, bien entendu. C'est-à-dire pas très souvent, mais quand j'y pense. En fait, quand c'est des VOD qui ont un peu d'intérêt, par exemple des découvertes de jeux, ce genre de choses. Sinon, en fait, je me suis déplacé dans tous les coms et il faut peut-être que j'aille suivre zéro, non ? Qu'elle fait presque peur. Putain, et il aurait dû travailler dans la communication et dans le marketing. Il aurait fait fureur. Je pense qu'il aurait été un très bon marketeur. C'est... voilà. Touk, 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 touk. Tim Burton, best bro. Best bro, bon... Les derniers films sont un peu pourris, hein. on va pas se les cacher quand même. Hein. On va pas se le cacher que les derniers films sont un peu pourris, nuls à chier quand même. Hein. Après j'ai pas regardé Dumbo, mais c'est quoi le dernier film? C'est quoi le dernier film de Tim Burton que vous avez apprécié? Moi je saurais même pas vous le dire lequel c'est. Je crois que c'est Les Noces Funèbres, pour tout vous dire. Parce que même le Alice de Tim Burton que j'ai, mais parce que je suis plus une fan d'Alice au Pays des Merveilles, mais il est pas bien. Qu'est-ce que... Bonjour toi. I'll take care of Oki's lackeys. You head back to the hanging tree. Ah oui putain, il me faut le chien pour retrouver tout. Là. Ensuite il part par où? Sur ces belles paroles, bonne nuit les gens. Bonne nuit, Echo. Merci beaucoup à toi d'être passé. J'aime bien pouvoir faire ça. Et voilà. Lancer sur les autres. C'est rigolo ça par contre. Tu as mis un point si tu as mal. Oui, non, mais oui, mais il faut. Reposez-vous. Ah putain, il est de l'autre côté, il faut faire tout le tour. Faut faire tout le tour, putain de chien! Mais surtout qu'en plus, ils sont en des emplacements où que j'avais déjà spot les ennemis. C'est vraiment de l'abus. Voilà. Ah, je vais me prendre des dégâts. Ça va. Le jeu a été gentil avec moi, il m'a pas mis des dégâts. Moi j'aime Alice de Tim Burton. Bah si tu aimes Alice de Tim Burton, tant mieux pour toi. Moi j'avoue que, à part esthétiquement que je l'ai trouvé joli, c'est niveau... J'allais dire niveau gameplay. Niveau... C'est niveau filmique. J'ai pas trouvé que ce soit un. Et putain, c'est de la merde ça. En fait, j'essaye de faire la tourbillon. Voilà. Parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. Par contre, voilà, ça c'est exactement ce que je voulais faire. Toi, voilà, là-bas. Mais putain, ta mère!
le jeu qui te dit très clairement non, t'auras pas l'XP. Voilà. C'est Halloween, Halloween. Voilà. Bon, maintenant il est où ce putain de chien au bout d'un moment? Voilà. Parce que depuis tout à l'heure, je défonce le crâne de tout le monde. Il est où le chien? Je l'entends, le chien. Où qu'il est, le chien? Il est de l'autre côté, il est au spawn. Il est au spawn, j'ai fait tout ça pour rien. Je déteste ce chien. C'est pas très clair non plus les indications. Sachez-le, je ne trouve pas les indications très claires. Bon, heureusement que là, il y a de la vie qui repop à chaque fois que tu détruis le truc. Oh non, j'en ai marre. Oh non, foutez-moi la paix. Oh, j'en ai marre. Oh, vous me saoulez. Dégagez les squelettes. Vous me saoulez de ouf. Touk, touk. Il est quelle heure, là? 22h37. Oh, ça va. Ça ne fait pas depuis très longtemps qu'on joue au jeu... Oui, là, je suis là. Allez. Putain de clébard mort-vivant de merde. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Putain de clébard. Le vieux cimetière. Le vieux cimetière et son église moyenâgeuse. Ah ben voilà, il est là, lui. I'm sorry, but I haven't got time to play hide and go shriek. Please get back to the hanging tree. Voilà. T'as compris? Arrête de faire le pendu, le pendu. Il est long ce niveau. En vrai, il est long parce qu'on s'est perdu, mais en réalité, je pense pas qu'il soit aussi long que ça. En fait. Est-ce que les flammes que j'ai détruites ont respawn? Oui. Soul Robber. Alors c'est pas ça que je voulais faire. Bon, allez. Ouais, mais j'ai pas le temps avec vos conneries là. Voilà, j'ai pas le temps. PTDR, j'ai pas le temps. Il est où le chien maintenant? Il est derrière. La caméra, la caméra, s'il vous plaît. Caméra. Non. Comment je fais? Trouve les 5 pendus dans le cimetière et ramène-les à l'arbre. Oui, d'accord. Je suis là, d'accord. T'as... Ok. Comment je passe de l'autre côté? La pierre tombale, elle est tombée. Oui, bah oui. Comment je... Attendez, comment je fais de... Comment je vais de l'autre côté? J'ai pas de pouvoir de feu. Et j'ai pas de pouvoir de feu, je fais comment? Ils sont bien mignons les cons là, mais j'ai pas de pouvoir de feu moi. Mais là c'est fermé à clé. Elle ne s'ouvre pas. D'accord.
sont mignons les débiles là, mais je fais comment pour cramer des ronds si je n'ai pas de pouvoir de feu? Faut que je passe par là. Là maintenant, là, c'est ouvert. Bloquer quelqu'un m'empêche d'entrer. Ok. Mais comment je passe? Oh! Putain, faut le savoir ça! Hurry back to the hanging tree. Oh, faut le savoir! Faut que tu charges! Faut que tu charges la chope pour. J'aime bien quand le jeu il t'explique rien. Ok. Tu charges la chope et ensuite tu peux. Tu peux détruire les ronces comme ça. Donc attendez. Si on fait la même là. Non, d'accord. Non, c'est parce que c'était juste des ronces spéciales. Voilà. Alors, attends. Est-ce que ça fait la même chose pour la tôle d'araignée? Non. Est-ce que c'est l'attaque légère? Non. Je sais pas. Alors attendez, il faut que je sois où pour pouvoir lui parler au pantin là? Faut que je sois là. C'est bon, allez, tu peux aller te pendre mais auprès de l'autre arbre. Parce que l'autre arbre il est consentant, pas lui. Il y en a encore un. Il est passé où? Là-bas. Bah dans le tombeau je suppose. Non, j'ai pas le temps. Oh, j'ai pas le temps pour vos conneries, j'en ai marre. Ah bon, bah, allez. Non ? Il est où le chien ? Où qu'il est, le... Où qu'il est, Fido, là ? Fido, le kleps ! Pum, 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 pum. Pim 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 pirata. Pim 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 pim. Il est là-bas. Quoi? Oh, mais quand je peux pas tourner la caméra? Yami va faire dodo, mais pas de soucis. Bonne nuit, Yami. Bonne nuit, Yami. Et j'espère que ce stream d'Halloween... Et j'espère que ce stream d'Halloween du 2 novembre t'aura plu. Attends, il est quelque part par là, non? Je l'entendais là. Oui. Tiens, il retourne à perpète les oies. This is not Halloween. This is Halloween. Tombeau des larmes. Ah bah tout en haut de l'arbre. C'est pour ça que je pouvais accéder à tout en haut de l'arbre. Et en plus je les avais déjà trouvé des emplacements. Mais si c'est Halloween, ne t'inquiète pas. De toute façon, tous les jours c'est Halloween. When Oogie's monster... Oh, vas-y. Save it now, or risk doing it again. Oh, putain. Save it, or risk doing it... Oui, sauvegarder. Je veux sauvegarder. Ça fait une heure... Putain, ça fait plus de 30 minutes qu'on est sur ce niveau. Je vais avoir un score dégueulasse. Je pense à la fin. Pouk, pouk. Yeah. Alors,
Ah, je me souviens plus. On était monté tout en haut. Alors, pour monter tout en haut, on avait fait... On avait fait ça. On avait fait ça. Lap. Ensuite. Lap. Ensuite. Là. 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 Et bien sûr, non, c'était l'autre qu'il fallait faire. Donc là. Ça l'une tout le jour quand on la regarde. C'est ce que tu veux dire? Ben oui. Non mais quand vous regardez des streams, c'est Halloween, constamment, les gens. Souvenez-vous-en. Comment on monte tout en haut? Comment on monte tout en haut? Ah, j'y suis monté en plus. Ok. Une fois que je suis de l'autre côté, je peux plus aller nulle part. Ouais. Voilà. Faut que je me mette sur cette branche là. Ensuite, là. Voilà. Oh, wow. Quand on me regarde, oui, je suis pas belle à ce point. Non. Quand on me regarde moi en stream. Après, bon, si tu te dis moche et que tu veux que quand on te regarde, ça soit Halloween. C'est toi qui décide, hein. Bon, j'estime pas, hein. Tu es une très belle femme, Yami, hein. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Oh. Clear time. Combo. J'ai mis une heure pour le faire, 53 minutes. Exclamation marks count. Oh. Non, c'est une des plus belles femmes du monde. Mais oui, voilà. Bonus des âmes. Bah, c'est pas des masses, hein. De toute façon, réellement, c'est la beauté intérieure qui compte. Oui. Oui. Chapitre suivant. Oui. Galère au cimetière. Chapitre 4. Je sais pas combien il y a de chapitres dans le jeu. Il y a combien de chapitres? Je sais pas du tout combien il y a de chapitres au jeu. Much better. Without my hanging men, I'm not much of a hanging. Je pense qu'il doit y en avoir souvent dans ce genre de jeu, il y en a genre 15 ou 16. Those monsters are attacking from the fallen tombstones. I've got to put the tombstone. Regarde, un frigo, ça casse rien. Ça casse rien, mais en vrai, ça vend du rêve. Quoi? C'est quoi? Merde, j'ai pas lu. Les pierres sont très lourdes. Il faut faire quoi? Ah, faut que je redresse les pierres? Bon, attendez, je suis en train de me faire emmerder par des... Voilà. Je me fais emmerder par des... connards, là. Tu as pas eu la glace? Quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter dans le chat?
J'ai dit t'as clip, mais non, comment ça? Ah mais non, mais vous pouvez clipper les gens. Faut toujours clipper les gens. Si vous hésitez à clip, c'est qu'il faut clipper. Voilà. Ah oui, non, il faut que j'aille... Voilà. Toujours plus de heal. Non, dit Joe, je tuerais pour une dame blanche. Pour une glace? Oh. Ça, j'avoue qu'une bonne dame blanche, ça... Voilà. Fouettage de cul. Voilà. Tester la... La Eyejobber... Je sais pas ce que c'est. Aucune idée de ce que c'est. Est-ce qu'il faudrait pas être de l'autre côté? Et donc j'ai fait tout ça pour rien. Oh! Coucou Clem! Merci beaucoup pour le raid! Coucou, coucou, Clem! Alors, attends, Clem, tu as gagné un viewer qui te carry! Félicitations à toi! Coucou et merci beaucoup pour le raid! Tu étais sur quoi? Sur quoi t'étais, Clem? Dis-moi. Comment ça va-tu? Bah, ça va très bien, et toi? Comment ça va-tu? C'est comme tapenade verte, Tarama. Quoi? J'ai vraiment des viewers un peu bizarres. Hein. J'étais sur Gravity Rush comme le reste de... Ah, Gravity Rush! C'est vrai, je t'avais vu en plus sur Gravity Rush. T'en es où? Est-ce que t'aimes bien le jeu? Bah en vrai, si tu le fais, je pense que t'aimes bien le jeu. Gravity Rush, c'est trop bien comme jeu. Je l'avais fait sur la Vita d'un ami à l'époque. C'était tellement ouf! C'est quoi? Ok. Ok, je me la mets de côté, je regarderai Onimas. Je regarderai ce que c'est. Après, en vrai, je dois bien vous avouer que la glace, j'évite dans trop en manger parce que sinon je... Sinon, en fait, je bouffe que ça, donc... Ah, il me saoule! Oh, en plus, j'ai pas d'écoute. Voilà. J'en suis à l'épisode 11 de mémoire. J'ai déjà fait les deux jeux. Mais je refais en stream quand je les surkiffe. Ah ouais, non mais Les Gravity Rush, c'est vraiment des très très bons jeux. Ça, je les ai pas refaits depuis qu'ils sont sur PC. Il faudrait que j'essaye. Voilà. Il faudrait que j'essaye de les faire. Il y a des priorités dans la vie, la crime, mais la glace en fait partie. Puis après le gras, car le gras c'est la vie. Ils sont sur PC, je crois. Non, ils sont ressortis sur quoi? C'est pas sur PC qu'ils sont ressortis? C'est sur quelle console qu'ils sont ressortis? À moins que c'est peut-être juste sur... PS hein, qui sont sortis.
Ah, c'est bien une exclu. Ok. Je croyais qu'ils étaient. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'ils étaient ressortis sur PS. Sur PC. Ah, c'est bien une exclu. Le 1 est sorti de base sur la Vita et a été remaster sur PS4. C'est ça, il y a un remaster sur PS4. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, mais j'avais bien aimé quand même là. Après, ça donnait un peu la gerbe, je trouve. Sur Vita, ça donnait affreusement la gerbe par moment. Mais le jeu était très, 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 très cool. Mais voilà. Mais je suis content que ça te plaise les Gravity Rush. Parce que ouais, c'est. En plus c'est des jeux qui ont un gameplay que je trouve assez innovant, mine de rien. Donc c'est cool. Halloween Day. Bah nous comme tu peux voir on est sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Le jeu sur PS2. Est-ce que tu connaissais le jeu sur PS2? Après, tu connais peut-être plus le dessin animé. Voilà. Donc, là, je les ai toutes faites, normalement. Ouais. Je les ai toutes faites, du coup, il me reste que celle qu'il y a de l'autre côté. Ouais, c'est un rare jeu que je ne te mets pas un pouvoir de vol, mais plutôt un contrôle total de la gravité. Mais c'est ça qui est cool. Je connais pas du tout le jeu, j'ai même pas vu le dessin animé. Oh, faut que tu regardes le dessin animé. En vrai, il faut que tu regardes le dessin animé, Clem, parce que c'est super beau. L'histoire est tellement cool. Et c'est un parfait film d'Halloween et de Noël. C'est le parfait film d'Halloween et de Noël en même temps. Et ça c'est trop bien en fait. Bah et le jeu on reprend la suite. Voilà. Je te le dis. Et en vrai le jeu est sympathique. Il transcende. Il est pas transcendant. Mais en fait il est pas transcendant mais juste parce que depuis tout à l'heure en fait je spam constamment la même touche. Et j'ai pas trouvé de combo, ce genre de choses à faire comme dans un beat'em all à part la toupie qui sort une fois sur deux. Donc voilà. Mais en vrai, très sympathique. Bah je regarderai un jour. Ah ouais, non mais le... Je trouve que le film est un classique. Mais putain, allez! C'est chiant ça, pourquoi ça veut pas? Allez! Mais putain, mais pourquoi ça veut pas? Tu sais, la voleuse d'âme pour soulever et fermer la. Bah oui! Mais... Oh là, ça se joue au poil de cul près, hein! Change pas de main, ça vient! Et c'est exactement ça en plus, hein! Oh mais en fait c'est chiant parce qu'à chaque fois il y a des combats mais les combats sont pas passionnants en fait. Étant donné que t'as pas de combo, les combats sont pas ultra passionnants. Ouch. Parce qu'en fait pour le moment je fais que spammer la même attaque, c'est... Parce que j'en ai pas d'autres en fait. Donc, j'ai les 3000. Si je peux retourner à un moment... merde. Si je peux retourner voir les sorcières...
Si je peux retourner un moment voir les sorcières pour améliorer le fouet, peut-être qu'on se fera moins chier. Parce que même la toupie, en fait, elle sort qu'une fois sur 36, je sais pas pourquoi. Après, il y a là-bas. Allez. Voilà. Je me souviens plus. Ouais, si, ici. C'est un peu dommage qu'ils aient pas mis plus de combos que ça, en fait. Que ce soit un peu la pauvreté niveau combat, en fait. Les combats sont pas hyper passionnants. Mais pareil, en fait, j'ai pas trouvé... Les gâchettes ne servent à rien. Les mecs ont pas mis de coups sur les gâchettes. C'est un peu stupide de pas avoir mis de coups sur les gâchettes, par exemple. Pour au moins peut-être varier les trucs. Alors que t'as un système d'esquive. Touk, touk, touk. Voilà. Allez. Voilà. Je vais me soigner parce que je viens de voir ma vie, j'ai pas beaucoup de points de vie. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai ça m'aide à avoir plus de action. Oh, voleuse d'âme. Ah, attendez, j'ai peut-être un tuto. Ouais. Stick analogique gauche utilise la voleuse d'âme pour bloquer les attaques ou contre-attaquer. Pour charger et renforcer de... Ok. Touche directionnelle. Moque-toi des ennemis en mode Oogie pour charger instantanément la voleuse d'âme. D'accord. Maintiens pour... Attends. Maintiens... Ok. D'accord. Rempli. Non. Alors, j'ai vraiment... Tu peux lancer un combo quand ta puissance augmente. Ok. Ah, mais il y a vraiment rien d'autre que appuyer sur carré, en fait. C'est un peu la tristesse. C'est un des... Je crois, pour le moment, le beat'em all le plus triste que j'ai jamais vu. Heureusement qu'il y a l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Parce que pour le moment, je vous dirais que c'est très triste. Voilà. Toutou. Voilà. Ok, et ça? D'accord, et touche directionnelle, appuyer sur n'importe quelle touche directionnelle, ça permet juste de faire come on. Je sais pas à quoi ça sert. Allez. Oh, putain. Allez. Pourquoi ça veut pas? Voilà. C'est bon? Je les ai tous faits là? C'est quoi? Redresse les pierres tombales pour piéger les monstres aînés, puis va voir l'arbre. Oh, faut que je retourne voir l'arbre. Oh, faut que je retourne voir l'arbre. Tout, 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 tout. C'est un peu chiant. Ça va, on le passe tranquille. Maintenant, on se prend plus de dégâts, on arrive à le passer tranquille. Tiens, je suis. Est-ce que vous savez quelle note il a eu sur jeuxvideo.com? Est-ce que vous pouvez me dire, les gens dans le chat,
Quelle note il a eu sur jeuxvideo.com, le jeu? Et quelle note ont donné les joueurs? Juste pour ça. Juste pour avoir peut-être une idée de... De comment est-ce qu'ils considéraient le jeu. Parce que en vrai, je pense qu'il mérite un petit 12 ou 13. C'est pas un mauvais jeu, mais pour le moment, c'est très répétitif. Surtout les combats. Les combats sont chiants. Donc je pense qu'il a dû mériter... Je pense qu'il a dû avoir un petit 12. C'est bon ? J'ai fait toutes les pierres, je pense. Thank you so much, Jack. Voilà. Now that you're here, Halloween Town will be back to its old self. One of the hanged men just told me he heard a qu'il avait entendu une femme chanter sur terre. What's this? A paper plane from Sally. Et ben il a disparu. Lies the underground burial chamber. The burial chamber? It's the largest grave in this area. It's infested with spiders and cobwebs. How romantic. That's it. That's where Sally must be. Ben non. Elle est dans la tour. Elle est dans la tour. Jack, serais-tu un peu con? Au moins 18 minutes, cette fois on n'a pas mis 40 minutes. Hein. Tu peux gagner, mais ça c'est des statuts, mais ça je m'en fous. Alors, si je fais sélection du chapitre. Donc, attendez, retour de Jack, les sorcières. Je crois que c'était les sorcières pour améliorer son fouet. Ouais. On va faire ça. Mais du coup, attends, pour améliorer ton fouet, t'es obligé de retourner voir les sorcières? C'est un peu con, je trouve, comme principe. Ouais. Voilà. J'ai bien mes items. Ouais, j'ai mes 3000. On va améliorer son fouet, comme ça au moins ce sera fait. La sorcière... Putain, elle est fermée. Faut d'abord que je parle au gosse, c'est pour ça. Jack, welcome back. Voilà. En fait, je pense qu'il me disait « Welcome back, va voir la sorcière ». Là, il y a un combat, mais je m'en fous. Moi, je veux juste parler aux sorcières. Pour améliorer mon fouet. Jack, you've returned. You went down. Yes. Come on. Alors, c'est à elle. You'll always be our hero, Jack. Voleuse d'âme, voilà. Que ça donnera une nouvelle dimension à toutes ces cris. Ok. D'accord. Maintenant je peux faire carré, carré, carré et ça fait un nouveau coup. C'est pas ouf non plus. On va pas se mentir. On va pas se mentir les frères, c'est pas ouf. Alors. Bon, au moins je les tue plus rapidement. C'est ça, c'est déjà ça. C'est fermé. En vrai, je m'en fous, je peux juste quitter le niveau, j'ai amélioré mon fouet. Oui, sorcière. Non, je suis obligé de finir le niveau. Ouais, il est en bas. Let's go. Veux-tu entrer dans les égouts? Oui. Attends, vous allez voir, on va avoir rang triple S. Non,
je déconne. Zone cachée 1, égout. Bon, au moins j'ai l'impression qu'on les tue plus rapidement. J'ai l'impression qu'on tue un peu plus rapidement. Voilà. Le clown est de retour. Isbin Khan, tant mieux. Isbin, si tu veux. Oui, je sais comment on fait. J'ai fait le tuto. J'ai déjà fait ce niveau. J'ai dû y retourner juste parce que pour améliorer mon arme, s'il te plaît. Respecte-moi, le jeu. Ah, on pouvait aller là, tiens. Ronce de Behemoth. Qu'est-ce que c'est? Tiens, je viens de découvrir une nouvelle zone. Ok. Ils ont l'air costauds, eux. Mais je suis juste obligé de me prendre la patate. Il repop à l'infini là, ça se. J'adore les ennemis qui passent à travers le décor. Bon, ok, j'ai l'impression que ça repop à l'infini. J'aime bien les ennemis qui pop à l'infini, mais sans te dire qu'ils pop à l'infini. Et qui passent surtout à travers les murs. Et les sols. Et partout. C'est toujours des ennemis passionnants à faire. Régénère toute ta vie. Bonne nuit. Tu vas te coucher, Bonumas, pas de soucis. Bonne nuit à toi. Merci beaucoup d'être passé, hein, surtout. Hein. J'espère que le jeu t'a plu. Même si ça a pas l'air d'être forcément le plus passionnant du monde, en vrai, ça va. Donc fin du chapitre. Bon, j'ai mis plus de temps là. Ah, B, nice. Tu as gagné une figurine de la grande sorcière. Tu as gagné une figurine de la petite sorcière. Sélection du chapitre. Donc maintenant que j'ai une nouvelle arme, qui est bien. Crapule de la crypte. Hmm.
Let go, il faut que j'aille chercher le... Faut que j'aille chercher. Non, faut pas que j'aille chercher, faut que... Bonjour. Ah, vous voulez pas... Oui, oui, sauvegarde. Il faut que j'aille... à la crypte. Où on est déjà allé 36 fois, mais c'est pas grave. On y retourne parce qu'on adore ça, les allers-retours. On adore ça, les allers-retours sans ça, qui te font faire 300 milliards de kilomètres. Qu'est-ce que c'est ça? Des quoi, ça? Jack revient vite en ville. Après ton départ, Amstrad Graham ont ramené Oggy à la vie. Tous les squelettes et les fantômes qui doivent t'attaquer en ce moment étaient fabriqués par le docteur Finkelstein et sont contrôlés par Oggy. Ces monstres ont été spécialement conçus pour t'attaquer et rien ne peut les empêcher de s'en prendre à toi. D'accord, merci. Mais, merci Sally, j'étais déjà au courant de ça. J'ai pas eu besoin de toi pour savoir qu'il y a des monstres qui m'attaquaient. Mais merci Sally de montrer que tu es utile. La pauvre Sally qui est inutile. Ah. Âme. Why do you always have to spoil our fun? This is the last time you'll get in our way. Et pourquoi toi t'es aussi peu fun en réalité The fuck un diable qui me vend tout à ce shot. Mais oui, mais c'est Amstrad Graham. C'est le duo de Mr. Boogie. Doggy Boogie. C'est Am, lui je crois que c'est Am, la fille c'est Stram, et l'autre est l'angle. Et le gosse zombie c'est Graham. Les principes, en fait, c'est le trio qui aide Oogie Boogie dans ses plans de conquête de la ville. Si vous avez jamais vu l'étrange Noël de Monsieur Boogie. Je suis en train de me faire. Mais putain! De me faire rect. Je suis en train de violemment me faire rect. Voilà. C'est bon? Voilà. C'est bon, il vient de mourir. Boss tué. Garnement de merde. You win this time, Jack. There won't be a next time. Of course not, Jack. Whatever you say. Ah, il a croisé les doigts. Le petit saligo. De toute façon, je comprends toujours pas pourquoi Oggy, Amstram et Graham, on les a pas tués. Hein. c'est, je comprends pas. C'est, tout le monde sait que c'est des sales races, mais non, c'est... Non, on les laisse vivants. Oh,
J'aime bien ce petit fantôme, je le trouve rigolo. Je sais pas pourquoi il y a des merdes qui m'arrivent. Ah, attendez, comment je passe de l'autre côté? J'ai rien pour les toiles d'araignée encore. Faudra que je refasse les anciens niveaux quand j'aurai les toiles d'araignée. C'est sans doute un élément de feu ou un truc comme ça. Bon alors, boss. Sally. Ah non, c'est Sally. Pic, 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 pic. Sally. Jack. Sally. Ah non. Juste une grosse araignée. Je sais pas ce qu'ont les beat'em all avec les araignées en flammes. Mais c'est un grand classique des beat'em all, hein, de... Je crois que tout bon beat'em all 3D a son araignée en flamme. Hein. Oh putain. Mais putain! Mais vraiment, arrêtez de chanter, c'est pas le moment! Parce que, alors, par contre, en vrai, cette idée où les boss sont des comédies musicales, je trouve ça très rigolo. Je trouve l'idée vraiment cool. En vrai, putain, c'est vraiment très cool. Au moins ça les rend un peu cool à affronter, les boss. T'inquiète pas, Sally. Voilà. Faut lui taper l'arrière-train, hein. L'arrière-train. Ok. Quoi? Oh, j'ai rien! C'est dur! Non mais putain, c'est... C'était dur de ouf! Allez, viens, petite araignée! Tu ne peux rien faire contre moi! J'ai déjà fouetté plus difficile que toi. J'aime bien. Malgré tout, j'aime bien ce jeu. Sachez-le. Ok. On se concentre. Ok, j'ai pas réussi plus.
Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de tuto pour t'expliquer, en fait, le... Tu peux, s'il te plaît, merci. Bon, après, la musique boucle, donc... Bon, après, on va l'avoir à la réglo, hein, sans utiliser les pouvoirs magiques de la hip-hop. Sans utiliser le pouvoir magique de la hip-hop, nous allons vaincre l'araignée à la loyale. Ah, mais elle est moins grande, là. Voilà. Allez, on se concentre. J'ai échoué. J'ai lamentablement échoué. Allez, allez. Oh, vraiment. Presque. Allez. C'est bon, elle est là, on la fit. Allez, où est l'araignée ? Voilà. C'est bon. Et voilà. Elles sont cool, j'aime bien ce principe de comédie musicale sur les boss. Bon, le jeu est un peu bizarre parce que le rythme à avoir est très dur, je trouve. Jack. Oh, Jack, Sally. Donc nous avons la porte de Saint-Valentin. You all right, Sally? Oh, Jack, you came back. I got your note. You have to rescue Dr. Finkelstein. This key opens the gate to his manor. Thanks, Sally. I'm glad you're safe. We're all safe now that our Pumpkin King has returned. Pumpkin King? Sally, that's it. What's it? I am the Pumpkin King, and I can use my pumpkin fire to fight Oogie and his army. Good thinking, Sally. Thank you, Jack. No. T'avais oublié que t'avais des pouvoirs de feu, Jack? Connard? Jack, il vient juste de se rappeler qu'il a des pouvoirs de feu. De la Saint-Valentin. Alors c'est quoi ces actions? Voleuse d'âme. Tournoi d'âme. Note d'âme. Non, c'est pas ça. Ah mais en fait c'est au milieu pour que ça soit correct. Ah, c'est au milieu. Associe les touches pour faire danser Jack et tout casser. D'accord, c'est au milieu en fait. Index, c'est quoi index? D'accord, non, on s'en fout de l'index. Ah, c'est ouais, c'est cool. Chapitre suivant. On a encore le temps. Bah, j'ai fait chapitre suivant sans savoir. Ah oui, bon, on peut encore faire un chapitre. Igor, le garde du corps. Tombeau des larmes. Donc, du coup, faut que je revienne dans la ville maintenant. Véritable monde ouvert où tout est connecté. C'est un peu Elden Ring. Ou Dark Souls. Ou
Darkring ou Elden Soul. Soit l'un, soit l'autre. Mais c'est forcément l'un ou l'autre. En vrai, c'est un jeu que je continuerai peut-être en... Est-ce que je le continue en stream, ce jeu? Est-ce que ça vous tente qu'on le continue en stream? Parce que, ben, je le trouve sympathique. Est-ce que ça vous tente qu'on le fasse, qu'on le continue en stream le jeu, parce qu'il a l'air en vrai d'être un peu sympathique. Ah, je peux pas tout casser. D'accord, les araignées te volent tout ça. J'adore la musique d'Halloween. J'adore la musique de J'adore This is Halloween. Je trouve vraiment cette musique entraînante. C'est quoi? Je crois qu'il y avait une zone secrète ici, non? Mais c'est là, je l'avais. Zone cachée numéro 2 de grenier. Ouais. Ouais, mais du coup, je me souviens plus. Est-ce que ça me l'avait validé? Mais les connards, ils me font tomber des bonus qui disparaissaient quasiment juste après, les salauds. Ok, j'ai pas pris de... Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Alors attendez, le manoir du vieux, c'est lequel? Non, là c'est la maison de Jack. Ça on s'en fiche, ça c'est pour aller au cimetière. Non, c'est pas là, c'est à côté. Est-ce que vous pensez qu'on va aussi dans le monde de Noël? Je pense qu'on va dans le monde de Noël à un moment. C'est fermé. Mais elle m'a donné la carte. Elle m'a donné la clé. Tu peux désormais accéder à la cour du docteur Trouvigor et entre dans le laboratoire. Bah. Tu peux désormais... Bah oui, Trouvigor. Je dois trouver Igor sur la place. Igor Dosgor? Où êtes-vous, Igor Dosgor? Peux-tu entrer dans les égouts? Bah, je sais pas, on me demande d'entrer. J'ai l'impression qu'on me demande d'entrer dans les égouts. Mais c'est peut-être pas là-bas, le laboratoire? C'est peut-être pas là-bas. Au moins ça suit vite.
C'est pas très intéressant comme combat, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ok, 134 pièces. 134 âmes de Dark Souls, c'est pas beaucoup, ça me fait même pas la montée d'un niveau, donc... je sais pas où est-ce qu'il est, Igor, moi, Igor Dosgore, là. C'est là-bas? Mais putain, je suis censé aller où? En fait, attendez, je comprends pas. Pour moi, le docteur, il était là. Mais oui. Pourquoi je peux pas y aller, alors? C'est fermé. Attends, le jeu, t'es en train de se foutre de ma gueule ou quoi? Ah, il faut faire... Oh, tu utilises pas la clé automatiquement. Maintenant, je peux aller dans la... Je déteste les jeux qui te forcent à passer dans le menu pour utiliser la une clé alors que tu l'as dans ton inventaire. Vraiment, ça me saoule au plus haut. J'ai la clé dans mon inventaire. Je ne pouvais pas avoir la clé avant. Donne-moi la clé. Oui, ça regarde. Igor. Bon, alors déjà, je peux pas passer par là parce qu'il y a l'électricité. D'accord, donc ça, c'est des nouveaux mobs. Ouais, alors... J'y vois que dalle. Toi, viens ici. Voilà. Et là, il y avait un truc qui me tirait dessus, non? Non, c'était eux. C'est eux qui me tiraient dessus, en fait. Au moins ça nous change des squelettes. Par contre, à chaque fois que vous partez à perpète les oies... à chaque fois que vous partez à perpète les oies, les enfants, là, donc restez. Restez dans les environs, s'il vous plaît. Super. Merci. Voilà. Allez, il faut charger le truc comme pour les... Non, même pas. Il y a un levier, mais la porte est barricadée. Une petite flamme devrait faire l'affaire. D'accord. Ok. Les gâchettes, ça sert à se transformer, en fait. Je pense que tu dois avoir plusieurs pouvoirs de... Je pense que tu dois avoir plusieurs pouvoirs plus tard dans le jeu. Et les gâchettes, ça sert à se transformer. Du coup, l'étoile d'araignée, il faudra que j'envoie la boule de feu. Bonjour, Igor. Igor, where's Dr. Finkelstein? Sorry, Igor under strict orders, not let anyone pass. But I'm here to rescue the doctor from Oogie. Igor, sorry, but Master says if Igor let anyone through, no biscuit. Oh, Igor starving. Igor a l'air d'être un peu simplé. Igor
biscuit, huh? Okay, Igor. If I bring you a biscuit, you'll let me pass? Yes, Igor Dufortak. Hurry, Igor starve. Mais sinon, tu frappes Igor, c'est pas grave. Bon, alors, j'aurai sans doute quelques problèmes, parce que ça voudra dire que je frappe un handicapé, mais... Sinon, tu frappes Igor. Pas grave. C'est une idée, hein. C'est une idée, les gens. Faites pas de trade sur Twitter, s'il vous plaît. Hein, mais... C'est une idée, quoi. C'est tout. Mais je le trouve où, ton biscuit? C'est mort, là. Les sorcières. J'ai cru en voir dans la boutique des sorcières. J'en ai été sûr. La boutique des sorcières. Et sinon, pourquoi c'est moi qui dois tout faire et qu'il y a personne d'autre dans cette putain de ville qui fait quelque chose? I let you win before. Quiet, you. Time for some help. Allez. Maintenant, on se tape à trame. Voilà. Oh mais putain, il y en a beaucoup à tuer. Oh ouais, il y en a beaucoup et... Si à chaque fois je les touche, ils reculent, c'est chiant. Hein. En plus, ils sont... C'est des sacs à PV. Ouais, en vrai, il y a quand même un petit problème de déséquilibrage au niveau des... Il y a quand même un petit problème de déséquilibrage par moment... sur les... En fait, sur les dégâts... Je sais pas si c'est sur les dégâts ou sur la vie c'est-à-dire des Pokémon. Des ennemis. Parce que j'ai juste l'impression de leur faire pas de dégâts, en fait. Après, c'est pas qu'une impression, hein. Je crois que je leur fais vraiment pas beaucoup de dégâts. Est-ce que ça, c'est plus efficace? J'ai pas l'impression. J'ai même pas l'impression que mes flammes soient plus efficaces. Hein. Bon, là on est à la fin. Par contre, j'aimerais bien que les mobs arrêtent. Non, ça sera pas plus efficace. Ben ouais. Par contre, j'aimerais juste bien que les mobs arrêtent de reculer en fait quand je tape. C'est très très chiant. Mais après, j'avoue que des flammes contre des fantômes, c'est peut-être pas le truc le plus efficace du monde. Mais il est dans un mur, l'enculé, là. C'est bon. Voilà. Boss fini. Maintenant, je peux aller voir les sorcières. Grande place, boutique des sorcières. Alors, celle qui avait besoin. What?
Un biscuit d'os. Oh, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Coucou, merci beaucoup pour le raid, Ryukai. Comment vas-tu? Fiole de cristal. Mais je m'en fous de la fiole de cristal. Citrouille d'or, je m'en fous aussi. Je l'ai au moins, notre roi des citrouilles de level 2. Non. Ça va, je suis un peu fatigué. Ah, t'étais sur quoi? T'étais sur Final Fantasy ou t'étais sur... Demande des biscuits d'os à l'enfant mort-vivant et donne-les à Icor. Feur. Ok, tu vas être ban. C'est tout. Sur FF14. Ok, d'accord. Bon, sinon, ton Halloween. Ça s'est bien passé. Et coucou, Nick Loco. Coucou, coucou. Il est où l'enfant mort, là? Où qu'il est passé, l'enfant zombie, là? Non. Très sympatoche. Ah, bah ça va. Ça va, ça va, ça va. Bah nous, tu vois, on est sur le... On est sur le... Par contre, il est où? Il est où, l'enfant zombie, là, en fait? Demande des biscuits d'os à l'enfant mort-vivant. Il... Mais oui, mais il est où? J'ai aucune idée d'où est l'enfant mort-vivant. Et ben nous, comme tu peux voir, on est sur... sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Le jeu, donc... et c'est sympathique. C'est pas non plus une tuerie, mais c'est sympathique. Je peux juste avancer ou pas du tout? Non, je peux pas avancer. Bon, ça sert à rien ici. Faut que je trouve l'enfant zombie. Resto Halloween avec mes vieux. Ah, bah c'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Petit resto. Bah nous, ça a été raclette d'Halloween, tu vois. Mais je sais pas où est-ce qu'il est, ce putain d'enfant. Mais il est là. Je suis con, il est devant la... Il est devant la fontaine. Petit quiz, allez. De quelle couleur sont les cheveux de Sally? Sont bleus. Combien de doigts Jack a-t-il à chaque main? 4. Combien de boulons Frankenstein a-t-il sur la... 8. Quel est le nom de la famille de Jack Skellington? Combien de pendus a-t-il sur l'arbre? 5. Quel est le nom de la ville dans laquelle habite... La ville d'Halloween? Putain, il y a vraiment un quiz sur le film! Quelle est l'essence même d'Halloween? Frayeur et frisson. Combien y a-t-il de... Qu'y a-t-il sur la sonnette de Jack? Une araignée? Quel jour célèbre-t-on Halloween? Ah! Ben les gens! Les gens! L'essence du samplon 95! C'est ça, c'est l'essence d'Halloween. C'est l'essence de ces sons. Bon, 31 octobre. Comment est l'eau de la fontaine de la ville? Verte. Parfait. Putain. 14 juillet, évidemment, mais oui. Mouillée. Et effectivement, elle est mouillée aussi. C'est ce quiz. Genre... Putain, pourquoi vous avez fait un quiz sur... Mais Sally, elle a les cheveux rouges, alors. Non? Attendez. Sally. Merde. Si je tape Sally... Étrange Noël. Elle a les cheveux rouges? Ouais, c'est ça, elle a les cheveux rouges. Ah, j'aurais pu avoir le 10 sur 10. Tant pis. Je sais même plus ce que j'avais répondu. Je crois... Si, j'avais répondu vert, je crois. C'est bon, tiens.
Voilà. Maintenant, laisse-moi passer, Igor. Laisse-moi passer, sinon je te tabasse. T'es mauvais, Jack. Ah, 9 sur 10. Ah, 9 sur 10, ça va. Et bon, on va sauvegarder, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On a bien, en vrai, on a bien avancé sur le jeu. C'est plutôt sympathique. C'est le jeu est plutôt sympathique. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je voulais voir. Il a été noté combien? JVC Jack Noël. Il avait été noté combien à l'époque, l'étrange Noël de Monsieur Jack? L'étrange Noël de Monsieur Jack. T'as raté quelqu'un de tout à l'heure, ouf. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? L'étrange Noël de Monsieur Jack sur GBA. Putain, je veux... Oh, le site de jeuxvideo.com, au bout d'un moment, allez vous faire enculer. Il a été noté 14 sur 20, d'accord, et les joueurs l'ont noté 15,9, donc 16. Alors par contre, c'est vrai que certains décors sont très jolis. Fantômes et squelettes seront vos premiers ennemis, quelques pas de danse bien exécutés vous sauveront parfois de la... Ok. L'action prédomine, mais le gameplay trahit quelques faiblesses au niveau des angles, le système de lock et le maniement pas très judicieux. Ouais, c'est ça. L'aventure compte 24 étapes. Ok. Ok, ok. Et ben du coup, le jeu est plutôt sympathique. Le jeu est plutôt sympathique. Est-ce qu'on continuera? Je ne sais pas. Je sais pas si on le continuera. En tout cas, je pense que moi, je vais le continuer peut-être... comment ça s'appelle? Je vais peut-être le continuer, moi, de mon côté, peut-être sur l'émulateur. Parce que de toute façon, j'ai pas le jeu, et le jeu, il coûte... Enfin, je crois que le jeu, il coûte assez cher. Mais voilà. J'ai même fait de te faire confiance avec le redeem. Quoi? Ah, l'armure. Pour l'armure. C'est quand Transport Tycoon sur PS2. Quoi? Comment ça, Transport Tycoon? Quoi? J'ai pas suivi, pardon. Est-ce que l'on raid quelqu'un ou pas? Alors attendez, je vais regarder ça. Est-ce qu'il y a des gens à raid? Voyons voir. Qui c'est qu'on raid? Il y a Littori. Il y a Littori qui est... Ah oui! Oui, oui, oui. Sur Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Eh ben, let's go. Ouais. Eh ben, let's go. Donc, je vais vous laisser avec Littori. Slash Red. Voilà. Je vais vous laisser avec Littori. Moi, je vais aller me coucher, tout simplement, parce que se coucher, c'est quand même bien. Dormir, c'est bien. Et je vais vous souhaiter à tous une bonne nuit. Des bisous à vous, des bisous partout. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. Et surtout, n'oubliez pas, this is Halloween. Halloween, c'est tout le temps, et ça se fête surtout au 14 juillet et au 25 décembre. Voilà. Allez. Bonne nuit à vous les gens et à tout à l'heure chez Littori.